Et yo tout le monde, c'est KitKat, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de mon let's play sur la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Donc je fais cette petite introduction en audio sur un gameplay de Fortnite, simplement parce que j'avais pas de gameplay de l'ombre de la guerre. C'est simplement les amis pour vous dire que toute la première cinématique, donc la cinématique de début, je l'ai perdue à l'enregistrement tout simplement. Et du coup j'ai dû prendre une vidéo sur internet, donc c'est un youtubeur, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description et le lien de sa vidéo dans la description. Donc j'ai pris toute sa première cinématique, donc c'est normal que vous entendrez quelqu'un d'autre parler pendant la première cinématique et au début de la mission, enfin de la première mission, bah, tout va remarcher tout simplement. Donc voilà les amis, je vous laisse avec le premier épisode du Let's Play et bon visionnage à tous. Merci, merci et bonne vidéo. Ah, et vous nous faire un petit recap de l'histoire précédente, j'imagine. J'avais une famille. Une femme. Elles sont magnifiques. Et un fils. Je les ai enterrés avec tous ceux que je connaissais. Non ! Que m'est-il arrivé ? Je suis mort. La mort t'a rejeté, t'abandonnant entre lumière et ténèbres. Nos destins s'entremêlent à Lyon, ma vie et la tienne. Qui es-tu, Spectre? J'ai façonné l'histoire de la Terre du Milieu. J'ai forgé les anneaux de pouvoir. Celebrimbor, grand forgeron du deuxième âge, Sauron t'a dupé pour que tu crées les anneaux. Ton peuple et toi avaient souffert. C'est cette souffrance qui nous lie peut-être. J'aurais dû mourir avec ma famille. Mais tu rêvais de vengeance. Mais il n'y a qu'une seule façon de boucler la boucle. Il faut tuer Sauron. Il nous faut un nouvel anneau. Les cinématiques sont toujours vraiment impressionnantes. Le nouvel anneau, alors j'ai hâte de voir ça. Hein. Qu'est-ce que l'anneau va nous apporter dans ce jeu-là? J'imagine encore plus de puissance que dans le précédent. Hein. Le monde des hommes va s'éteindre. Je l'ai vu. Je l'ai senti. Dans la montagne du destin, un rôdeur et un spectre, liés tous deux par la mort, ont forgé la seule chose qui puisse vaincre Sauron. Un anneau de pouvoir. Mais le pouvoir peut devenir aveuglant, et même les liens les plus forts peuvent être brisés. L'avenir que j'ai vu ne doit pas survenir. Celebrimbor. La mort t'appelle encore, Rôdeur. Que vas-tu répondre? Talion. Elles sont magnifiques. D'où est-ce qu'elles viennent? Oh, il me reste quelques amis au Gondor. Qu'est-ce qui ne va pas? Oublie le passé. On ne peut plus rien changer. Il faut qu'on parte. Allons-y, vite! C'est trop tard. Nous sommes déjà morts. Le spectre t'appelle. Et moi aussi. Spectre! Où es-tu?
Bon, y a pas à dire, les cinématiques elles défoncent, hein. Je te trouverai. Bon, c'est parti. Talion. Talion. Restons discrets. Ok, il a entendu un bruit, lui. Ces orques se préparent à la guerre. On va les buter, nous, hein. Je préfère quand même les tuer directement à la dague que de les pousser dans le vide, quand même. Mais combien de temps ? Y'a rien ici à part l'ombre et la mort. Alors, je peux pas y aller ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est bon. Élimination furtive. J'ai même pas été repéré, je suis un peu surpris. Allez, on les laisse, on se casse. Alors, que se passe-t-il là-dedans ? Des araignées, donc. Ça présage rien de bon. Je ne t'ai pas fait venir pour rien. Je te conseille de me le rendre. Maintenant. Non ! Non ! Quel courage. Pour un homme. Mais ce n'est pas ton épée qui le sauvera. Serais-tu prêt à renoncer ? À céder, à céder, à céder, à céder. J'ai déjà abandonné tout ce que je pouvais. Pas tout à fait. Pas encore. On va quand même pas donner l'anneau, on vient juste tu la voir. Tu veux l'anneau ? Tu échangerais l'anneau contre le spectre. Pour me retrouver piégé dans ta toile avec lui. Je suis Arakne. Et je ne passe que des marchés honnêtes.
J'aurais fait le même choix. Ah ! Attends. Dalio, non ! Ah ! Rejoins ton pantin avant qu'il ne meure. Tu nous as condamnés, Italien. Elle avait déjà un pouvoir immense, et voilà qui lui donne le mien. J'ai mis toute ma force vitale dans cet anneau. Alors, il faut le récupérer. Allez, hop. On est de retour. La guerre que tu veux mener n'est pas ici. L'anneau est perdu. Tourne-toi vers Mina Sithil, prise d'assaut par le Seigneur des Ténèbres. Tourne-toi vers le Palantir. Sauron ne s'arrêtera jamais avant d'avoir conquis toute la terre du milieu. Le Palantir doit être protégé. Mina Sithil. Je dois savoir si Arachné a vu juste. Eh bien, je m'attendais pas du tout à ce que l'anneau soit perdu directement, quoi, quand même. Je sais pas qui c'est cette Arachné, mais elle a l'air vachement puissante. Hein. L'araignée avait bien raison. La seule forteresse gondorienne au Mordor doit tenir. Le Palantir est essentiel. Nous devons le trouver avant que Sauron ne mette la main dessus. Sinon, rien ne pourra arrêter son armée. Le sort de la cité importe peu. Il est hors de question qu'il se fasse massacrer comme tous mes frères à la Porte Noire. Il faut faire quelque chose. En éliminant les capitaines, nous donnerons du temps aux Gondoriens. Ils pourraient nous mener au Palantir. Il faut trouver un verre et le faire parler. Ah, c'était charminable. Prends la ville haute et allez, on va l'interroger, c'est parti. Là, son esprit est faible. Let's go. Hop. Les recherches du Palantir. Ok, donc on prend le renseignement. Alors, ok, bon bah il a été marqué sur la cible, du coup bah c'est parti, let's go. Ah,
Je pense, ouais, on va. On va éviter. Éviter le contact. On va essayer d'aller le plus rapidement possible. Voilà, au point. Ok, ils sont là, les mecs. Très bien. Let's go. Hey, c'est l'immortel! Mais je le croyais mort! C'est le cas! Galion, l'arc. Oh, stylé l'arc, putain! Faire mon gars. R2 plus carré. Ah ok, d'accord. Examiner le truc. Voilà, parfait. Bon bah on va du coup suivre les pistes. Le monde des spectres révélera sa présence. Ok, donc le mec est là-bas, on l'identifie. Ok, bon. Ok, d'accord. Bon bah on y va, c'est parti. Je sais pas ce que c'est plus 1 là ou quoi, mais je pense que ça doit être pour le level. Mais putain, mais jump, connard. Mais putain, il est con quoi. Mais il fait exprès ce trou de balle ou. Ah, ok, il sait juste peut-être pas sauter. Très bien. Elle est ronde et bleue. On l'appelle la pierre de vision. Si vous la voyez, revenez vite me voir. Ne la touchez pas. Allez, on va les fight. Je vous le répète encore une fois. Ne la touchez pas. Si elle ne vous tue pas, c'est moi qui le ferai. Une seconde. J'ai une grandeur. Ah voilà. Cinématique. J'ai entendu parler de toi et de ton spectre. On raconte que tu ne peux pas mourir. Eh bien, on va vérifier si tout ça est vrai. Let's go. Pourquoi ? Ok, d'accord. Putain, je me trompe de touche à chaque fois. Pour le Bouddha ! C'est qui elle ? Vous n'aurez jamais notre vie. Allez, enculé. Taper de ses esquives, mon gars, petit. Let's go, mec, on les éclate. Thank you.
Let's go, on éclate, on bombarde. Hop. Voilà, bim. T'es tué, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire? Je récupère son épée. Flèche haut pour inventaire, ok. Appuyez sur X. X pour équiper le nouvel équipement. Ok. C'est stylé, ok, d'accord. On a une nouvelle arme. Que faites-vous seul ici? Mon escouade s'est retrouvée prise au piège dans la ville basse. Combien étiez-vous là-bas? Bien trop peu. Eh bien, Mina Sithil tient encore. Nous allons perdre la ville moyenne, Rodeur. Il risque de bientôt fermer les portes. Il faut nous y rendre le plus vite possible. Alors montrez-moi le chemin. Attendez. Quel est votre nom? Idril. Ok, Idril. Talion. Alors ne traînez pas, Talion. T'inquiète, on te suit, ma gueule. Mort comme ça. On te suit, on te suit. Let's go, mon gars. Allez, on te suit. On te suit, mon pote, on te suit. T'inquiète, pas de soucis, mon gars. Je suis toujours avec toi. Voilà, on t'éclate la tête, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, on vous éclate là, un par un. Est-ce qu'on suit, on la suit. On la suit. Elle va où? Elle va là. Ok, parfait. Cool. Let's go. Oh là là, on va se faire. Ah non, on se faille pas. Si les troupes de Sauron prennent le Palantir, toute la terre du milieu connaîtra le même sort. Let's go. Allez, faut qu'on les fight. Hop. Qu'est-ce que t'as, On la suit. T'inquiète pas, on suit. Pas de soucis, mon gars. Ah, fait chier ça. Allez, on move. Oh là là. Ça, il est stylé le jeu, il est vachement bien fait quand même. Le jeu est quand même super bien fait, quoi. Allez, on y va, on court. On la suit. C'est parti. En tout cas, j'espère vraiment que ce premier let's play va vous plaire, en tout cas, sur la chaîne YouTube. C'est sur un jeu assez sympa. Oh, pourquoi je suis dans le feu, moi? Taras, dégage. Allez là, allez. Courez. Donc j'espère que ce premier let's play, en tout cas sur la chaîne, va vous plaire, parce que... Moi je veux prendre sûrement un plaisir à jouer à ce jeu, surtout que c'est dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Enfin, pour moi ça va être un plaisir d'y jouer, et du coup
J'espère que tout simplement, pour vous, ça sera aussi un plaisir que j'y joue, tout simplement. Car je pense que je vais pas y jouer hors rec, donc on verra ça. En tout cas, le jeu a l'air vraiment sympa. Super gore. Hein. Oh là là. Beau gosse. Ce ne sera pas long. Partez. Dites aux archers de l'épauler. Oula. Attention, le mec qui... Maintenez carré jusqu'à ce que la lance apparaisse. Mais... Non. En fait, c'est trop chaud, il change à chaque fois de touche là. Il n'y a personne derrière toi. Putain, c'est dur. Échec, ouais, bien sûr que je recommence. Oh, je dois pas tout recommencer quand même. Oh non, ça doit être relou si je recommence tout. Non, jusque là. Il y a une petite cinématique qui coupe. Fais-moi pas recommencer jusqu'en haut. Je fais depuis en haut. Ah ok, non. Allez, on l'exécute au sol, mon gars. Voilà. C'est super stylé, mon gars. La ville moyenne est perdue. Nous avons chèrement défendu chaque pouce de terrain, mais ils ont réussi. Alors notre sort se joue ici. Le mur intérieur tiendra, et nous avons le double d'archers. Nous ne faisons pas le poids face à leur nombre et leur férocité. Oh, notre peuple a déjà repoussé l'armée de Sauron. Avant. Mais en perdant bien des choses à jamais. Ouais, c'est hélas vrai. Va à la grande salle, protège les reliques. Ma place est ici. Mais fais en sorte qu'on les transporte à Aenys Anun. Est-ce que c'est un ordre ? Il faut que tu comprennes. Il faut protéger les choses les plus précieuses à tout prix. Oui. C'est un ordre. Alors j'obéis. Allez, vas-y. Mais je serai de retour avant la prochaine attaque. Let's go, ma gueule. Ah. Rôdeur de la Porte Noire. Je vous croyais tous morts. C'était bien le cas. Si vous venez vous battre pour Mina City, le rôdeur, allez voir le capitaine Baranor. Je ne viens pas pour la cité, général. Mais pour le Palantir, pour le protéger. Si la cité est protégée, le Palantir également. Cependant, nous avons des escouades qui attaquent les capitaines ennemis dans la ville basse. Afin de semer la terreur parmi eux. Oui. Il est grand temps qu'ils goûtent à la peur. Les troupes sont prêtes, général. Putain, c'est ultra bien, mec. Putain, le jeu est bien fait de ouf. Et la première mission terminée. On va aller voir quelques trucs dans le menu personnage. Allez, X, pour déverrouiller l'aptitude HDT.
Il faut récupérer le Palantir rapidement. La ville est affaiblie. Elle ne tiendra plus très longtemps. Nous ne pouvons pas abandonner les Gondoriens. Castamir a raison. En protégeant la cité, nous protégeons le Palantir. Regarde. Les tours portent sa marque. Ces tours m'appartenaient, Janis. La corruption de Sauron s'étend au-delà des frontières du Mordor. Ils se moquent de moi. Ils me permettent de voir. Pas sans le Palantir. Allez, c'est parti du coup. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour le premier épisode. On a fait en tout cas la première mission du jeu. Donc en tout cas, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2 de ce Let's Play et pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bonne soirée, c'était KitKat, bisous.